vie, pauvre et caché. Je croyais ne rien faire pour le bon Dieu. Maintenant, je comprends pourquoi notre Seigneur a voulu naître de l'indigence, puisque l'humilité lui est si chère. J'y suis né dans une étable. Jésus, le Fils du Dieu vivant, a voilé sa gloire ineffable sous les traits d'un petit enfant. Une crèche formait son trône. Il n'avait point de sceptre d'or. On ne voyait pas de couronne, ni rien qui brillât au dehors. Les séraphins ne pouvaient croire le grand roi qu'ils avaient perdu. Mais l'enfant Jésus, dans les langes, plutôt que la grande clarté, plutôt que l'ardeur de ses anges, a préféré